Bah, l'ambiance, ouais, je viens de le dire, hein, convivial, chaleureux. Donc on sent que voilà, c'est un public de vélo, ils sont curieux de voir bien sûr bah, les coureurs qu'ils ont vus hier, avant-hier à la télévision. Donc et puis c'est festif. Je me sens beaucoup mieux souvent sur le Giro que sur le Tour de France. Est-ce que parce que ici on est en mai et puis sur le Tour on est en juillet, donc plus serein, plus reposé déjà par rapport à un mois de juillet. Mais ouais, j'adore cette course. Je l'ai appris à l'aimer en 84. Moi, j'étais venu avec Laurent Fignon quand on fait deuxième et battu par Moser. Donc là, j'ai aimé cette course. En plus, j'avais gagné deux étapes donc, en faisant 15e du général. Donc oui, j'ai tout de suite été adopté par le public, par les Italiens. J'ai même à mon aîné hésité de rester en France et puis de partir dans l'équipe de Francesco Moser. Parce que ça me fascinait l'encadrement, le staff qui travaillait autour des coureurs et je me sentais vraiment très concerné entre les Italiens et puis moi-même. Il faut dire que j'ai du sang de ma grand-mère, donc maternelle. Donc il y a peut-être plein de choses comme ça qui se rajoutent et qui fait que j'aime l'Italie. Je suis chez moi.